Aujourd'hui, 11 mai, date d'anniversaire de la mort de Bob Marley. Elle est célébrée au Burkina à travers les Marley d'or qui chaque année met plus de la lumière sur les œuvres et les artistes évoluant dans ce registre reggae. Une cérémonie de distinction qui est à sa 11e édition ce soir à Ouagadougou. En attendant, artistes invités et comités d'organisation, tous se préparent au moment où notre équipe de reportage est allée vers eux. Rassmane Zondi et Moussa Ki. De la musique reggae et des instrumentales, les organisateurs ainsi que les artistes invités à la 11e édition des Marley d'or sont ici en plein préparatif. Sur scène, les artistes allient passion et inspiration pour être à la hauteur de l'événement. Les Marley d'or visent à promouvoir la musique reggae et à récompenser les meilleures productions dans ce genre musical. On va pas dévoiler toutes les batteries parce que là, c'est en plus, bon, on est à l'ère, du panafricanisme. Et ce soir, il y aura Cameroun, Togo, Côte d'Ivoire, Burkina. Il y aura beaucoup de nationalités qui vont se croiser pour cette cérémonie de distinction. Et ce qui est bien, c'est que les femmes sont bien représentées aujourd'hui. Il y a Nourat, il y a Superbe Voix, Burkina Soldat, il y aura Flora Paré. La 11e édition des Marley d'or se veut un cadre de cohésion, de partage d'expériences en matière de musique reggae. Elle fera également la part belle à la promotion des idées panafricanistes avec la présence de plusieurs artistes musiciens. Il est trop content qu'il vienne pour faire avec vous parce que Marley d'or n'a pas commencé aujourd'hui. Et Bob Marley est là pour que toute l'Afrique devienne ensemble. Mais comme il est passé, il est toujours pensé qu'on va faire comment pour venir ensemble. Donc comme le Marley d'or est là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Cette année, on fait ça. Donc avec lui, il pense que si on continue avec ça, on sera venu ensemble. Au dire du directeur artistique de la 11e édition de Marley d'or, tout est fin prêt pour faire du palais cette nuit au Siaou, lieu de la célébration de cette fête musicale.